Je profite de cette séance d'entraînement sportif en forêt, une forêt où il fait bon vivre, dans la nature. L'air est pur, on a tous besoin de s'oxygéner un petit peu. Alors bien sûr, là, on n'est pas dans le cas de l'étude de l'oxygène, du dioxyde de carbone, du glucose, de l'oxydation du glucose pour produire de l'énergie. On n'est pas dans cette ambiance-là, dans cette ambiance de travail en cours. Là, on est dans la nature, dans la vraie nature. Voilà. Il faut en profiter pour respirer, s'oxygéner, essayer d'être heureux. Alors, je vais en profiter pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes, un très joyeux Noël, que vous soyez tous heureux, en famille ou pas en famille. Bon. Ensuite, vous allez aborder la nouvelle année, l'année 2020. Alors après vous avoir souhaité un très bon réveillon 2019, je vous souhaite une très très belle année 2020. Et vous, mes élèves, mes abonnés peut-être, abonnés, non abonnés, mes élèves, vous savez bien que j'ai confiance en vous. Et que vous avez confiance en moi aussi. Pour vous amener là où il le faut au mois de juin, c'est-à-dire avoir le meilleur niveau possible, au niveau de la réflexion, des connaissances, etc. Alors évidemment, là, je suis dans la forêt et je raisonne encore comme un professeur de SVT. Il y en a marre de ces cours où on parle toujours de SVT. Il y en a marre de ce monsieur Vallée qui, quelquefois, est peut-être un petit peu trop sévère. Oui, mais... c'est pour le bien-être de tout le monde et la sévérité ne veut pas dire le manque de respect, bien au contraire. Tout ce que je fais, c'est toujours pour dans le bien de tous, pour le bien de tous en tout cas. Et le bien de tous, c'est quoi? C'est être heureux en cours, c'est se sentir bien, c'est travailler en petit groupe, c'est avoir surtout des bonnes notes. Vous avez remarqué que vous avez quand même des bonnes notes, hein, malgré quelques réticences, quelquefois, et c'est bien normal ici et là. Voilà, je reste un enseignant, mais je suis également un humain. Je fais partie de cette espèce humaine qui a évolué au cours du temps, au cours de ces 4,5 milliards d'années de formation de la Terre, du système solaire. Oui, je suis dans la forêt. Je fais du sport, je fais une séance d'entraînement. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de penser, de relier la nature à tout ce que l'on vous apprend en cours. Alors, je voudrais... arrêter un petit peu cette tendance à revenir sur les cours pour profiter de la nature. Il n'y a plus de feuilles dans les arbres, plus de photosynthèse. Vous voyez, je ne peux pas m'en empêcher. Mais la respiration cellulaire existe encore. Voilà. Donc voilà, je vais continuer, je vais aller courir, faire quelques mouvements encore. Et puis je vous souhaite à nouveau une très belle année 2020, un joyeux Noël 2019. Et je vous dis, bien sûr, à très bientôt à la rentrée, ou peut-être avec d'autres vidéos.